c'est un campus pour étudiants. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Kinshasa, carrefour des cultures de l'Afrique centrale, terre artistique par excellence et membre du réseau des villes créatives de l'UNESCO dans la filière musique. Et fier d'accueillir ces magnifiques projets qui permettra l'éclosion de nouveaux talents par la formation rigoureuse et mondialement reconnue de l'Institut National des Arts. Donc, je vous dis qu'il n'y a aucun secteur de la vie qui est oublié dans les programmes du président de la République, dans sa vision globale d'un Congo fort, prospère, où l'homme est réellement au centre. Allô, ngai wa santé eza misuna. Mon fils, pour ma santé, misuna. Bandeko, misuna ezali kokate la motulinga la te. Oh, ezali mitwa santé. Oye, pesameli na batunyos. Employé, ton non-employé, moutunyos oyo akika ta ko contribuer na mbongo mukie. Na fin du mois, pwete mokolo akobela, misuna ezwa soin na ye. Ya malamu, na ba hôpitaux nyoso ya minene, ya République démocratique du Congo. Ceux qui malade na yo bakoki ko traiter yango, ah na pomote, misuna akozwa charge na yo. Aucun de vos soins n'a pas mort à l'alcool. Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, tout elle. Car la mine guité n'a pas mort à mon sauce. Ceux qui m'ont envoyé mes soins et quoi qui changent les bons à ma soin, tant bien à Kamat Moni Monaye. Mes soins à quoi s'occuper de mon père Corvia. A quoi va de quoi va aller l'Ibanda? Ma copine pour adhérer ma défense à la Bangoya. Congo, quoi qui va se faire soin? Ah ouais, n'a pas mort à ma soin. Nami Sunga, ta santé c'est ta vie. Eh yeah, papa, maman, tout nanga ninye. Et loko tozala ki kozela, yango yo Pona ba séjour na bino ele kamalamu, na Kinshasa, kin la belle. Agence de location de voitures de luxe à Wana Kinshasa, Bameme Lubino Bongo, Power Brass Car, Oyo Bazali, na équipe na bango professionnelle, Bazali na disposition na binoe. Power Brass Car, location de voitures, Yasika Pekitoko, na pri ya malamu Oyo Wapi.
okoki ko kontakte bandeko ya Power Basque na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000, topé na plus 243 82 23 86 668. Belle sousou na www.powerbase-car.com. Topé na contact email contact@powerbase-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Basque. Oyo mapesi offre spéciale pour na bino nyonso. Boko loue ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo. Bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mwasi, bandeko ya Power Basque Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Basque Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko e Power Basque Car oyo ezali solution ya suka pona déplacement na bino nyonso express. Pona likambo ya qualité pe quantité na ete mituka, nul par ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba. Kaka epai ya bandeko ya Power Basque Car avec impact. Power Basque Car, musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Basque Car, le travail des professionnels. Keyo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout, c'est-à-dire on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France, Congo! Congo France.com
Tchaka tchaka. Je tiens depuis ma bord à adresser mes remerciements à l'auguste assemblée ici réunie et qui a attention, bien voulu répondre à l'invitation derrière vous à l'occasion de la pose de la première pierre du Centre international de coopération et d'action culturelle de Kinshasa par son Excellence Monsieur le Président de la République. Il va sans dire que la présence présidentielle est un signe révélateur de son attachement à la culture, car cette dernière met les Congolais au centre de sa vision politique, laquelle se matérialise par le slogan « Le peuple d'abord ». Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Kinshasa, carrefour des cultures de l'Afrique centrale, terre artistique par excellence et membre du réseau des villes créatives de l'UNESCO dans la filière musique, et fier d'accueillir ces magnifiques projets qui permettra l'éclosion de nouveaux talents par la formation rigoureuse et mondialement reconnue de l'Institut National des Arts. Il abritera également des auditoriums, studios d'enregistrement et des salles de théâtre donnant à Kinshasa un rayonnement artistique tout particulier et lui rendant ses titres de noblesse au cœur de cette Afrique foisonnante de talents. C'est ici l'occasion d'exprimer la gratitude des Kinoises et Kinois à l'adresse de son Excellence Monsieur le Président de la République. Remerciements chaleureux également à la coopération chinoise qui, saisissant au bon l'appel lancé aux partenaires,
a décidé de s'investir dans ces projets. Kinshasa vous accueille avec grande joie, tout en formulant le vœu des Kinois et Kinois de voir la matérialisation de ces projets. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. Que vive l'amitié sino-congolaise, que vive la ville de Kinshasa, que vive par-dessus tout la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Avec l'expression et l'assurance de notre profonde déférence. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués membres des corps constitués dans leur diversité et dans leur hiérarchie, distingués membres du corps diplomatique, distingués collègues professionnels de la culture, des arts et de la science. Mais, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je voudrais prendre la respectueuse liberté de m'adresser directement à vous. Je vous remercie. Je voudrais dire, au nom de tous les professionnels de la culture, non seulement de notre pays, mais des 11 pays de l'Afrique centrale, je voudrais dire que votre seule présence ici est une revanche de l'histoire. Revanche de l'histoire parce que, en effet, il y a 30 ans, sur le même lieu, il y a 30 ans, il a été procédé au démantèlement d'un complexe historique face à cet endroit qui s'appelait à l'époque Kultrana, c'est-à-dire culture traditionnelle négro-africaine, et qui avait été institué depuis l'époque coloniale et qui s'est perpétué un peu après l'époque post-coloniale. Mais c'était un centre mythique pour tous les grands noms de la littérature, des arts du spectacle et autres se sont illustrés. Je n'ai pas besoin de citer des noms comme Albert Mugita, ou Maître Taureau, ou Loami Tshibamba, ou encore Roger Bolamba, mais aussi comme Kabasele Joseph, mais aussi comme Franco Luambo, mais aussi comme Nico, etc. Mais à côté de ce Kultrana, il avait été construit l'Institut National des Arts, qui à l'époque était l'unique institut de ce niveau-là universitaire en Afrique et en Afrique centrale, et qui formait les professionnels de la culture et des arts, mais aussi les artistes de haut niveau. Tout ça a été détruit, démoli, comme château de cartes. Et à la place, il a été construit, n'est-ce pas, le stade des martyrs. Ainsi donc, nous les artistes, nous avons été les premiers martyrs collatéraux de cette démolition. Mais voici donc la revanche de l'histoire aujourd'hui. Et votre présence est hautement symbolique. La construction du centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, résultat de la coopération exemplaire sino-congolaise, avec sa salle de 2000 places, avec ses nombreuses salles de conférences, avec ses galeries d'art, avec sa gymnase, avec son esplanade offerte à des expositions et à des exhibitions populaires. Tout cela est un outil percutant en termes de promotion de l'image de marque du pays et de cette diplomatie culturelle sonore, engagée, rayonnante au cœur de l'Afrique, au nom de l'intégration panafricaine qui vous est chère, Excellence Monsieur le Président. Il en est de même de l'Institut National des Arts, INA, unique institut supérieur en Afrique centrale et qui déjà accueille bon nombre de candidats des pays voisins.
à côté du centre d'Ong, l'INA, avec ses salles de cours et ses équipements les plus modernes, avec sa salle de spectacle de 800 places, avec un guest house pour des experts invités. L'INA est un creuset pédagogique, académique et scientifique de premier ordre, ouvert lui aussi à la promotion panafricaine et à l'intégration régionale qui vous sont chères encore une fois. Je termine, Excellence Monsieur le Président de la République, distingués invités. Je termine en disant que votre combat en matière de politique culturelle est notre combat. Celui de la professionnalisation des métiers de la culture et d'une diplomatie culturelle puissante. En attendant, avec le partenariat de l'UNESCO, de la délégation Wallonie-Bruxelles, de Polonique soutenue par l'Union européenne, des agences congolaises Optimum et CRC et ALI, Alina, nous nous engageons à gagner de haute lutte la bataille ultime, c'est-à-dire celle d'inscrire résolument la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine mondial de l'humanité. Et nous savons que vous avez soutenu ce projet-là. Et nous vous en remercions. Pour qu'enfin, la culture et les arts congolais soient le porte-voix puissant d'un Congo, cœur battant d'une Afrique battante. Mais je voudrais terminer vraiment en disant par ailleurs mes remerciements à tous les héros de l'ombre, y compris ceux de la coopération exemplaire chinoise, mais aussi tous ces patriotes congolais qui, naguère, dans leurs charges parfois les plus hautes, ont contribué à la construction imminente de ce site. L'histoire et la République leur seront reconnaissants. Je vous remercie. Wow, wow. Nassima, ah, Batou Bazali. C'est le nouvel aéroport qui est construit par nos sociétés. Nous vous assurez qu'on va construire ce projet en utilisant le minor comme on a utilisé pour ce projet. On vous assure la qualité. Vive l'amitié chez nos congolaises. Merci beaucoup, monsieur. À présent, nous invitons monsieur le chargé d'affaires. La société congolaise fait preuve d'une grande vitalité en mettant en place de grands programmes de développement. En ce moment, il n'est pas à négliger que la culture et l'art constituent la première richesse d'un peuple et une force motrice en faveur du développement en insufflant l'enthousiasme et la créativité à une nation qui cherche depuis longtemps la prospérité socio-économique.
le peuple congolais, qui ne manque jamais d'imagination artistique, est toujours fier de sa création abondante. Je suis convaincu que ce centre, qui porte les meilleurs souhaits du peuple chinois à l'égard du peuple congolais, pourra aider la RDC à regagner sa place de leader dans le monde de la culture africaine et afficher au monde entier l'image dynamique de la société congolaise. Mesdames et messieurs, la Chine attache toujours une grande importance à l'approfondissement de l'amitié traditionnelle sino-congolaise, tout en concrétisant les projets de coopération dans des différents domaines au profit du peuple congolais. Pour l'instant, une équipe d'experts chinois sont à Kolwezi pour finaliser le plan de conception de l'Institut national de préparation professionnelle dans le cadre du don du gouvernement chinois. Suite à la remise de 66 tonnes de matériel médicaux destinés à la lutte contre Ebola, 3000 tonnes de riz, de haricots et d'huile végétale, dont alimentaire de la Chine en collaboration avec le PAM, sont déjà arrivées aux provinces de Tanganyika et d'Ituri et maintenant en distribution à ceux qui en ont besoin. Toute l'assistance restera en place.
comité d'accueil. Les auditoires de vous sont dans ces bâtiments et bien dans le camp. C'est difficile de la promotion de notre pays parce que c'est ensemble.
à vocation régionale, Elina a une vocation régionale. Je crois que les deux en plus, ça donne une dimension exceptionnelle à la vocation de ce pays. Il y a une dimension multiple. La première dimension, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power, c'est-à-dire la diplomatie culturelle. Aujourd'hui, les grands pays ont mis en avant ce que c'est que la culture. Les grands pays comme la Chine, comme les États-Unis, c'est la culture et la formation. Deuxièmement, on s'achemine vers l'économie de la culture. Il faut que la culture puisse produire des dividendes chiffrés. Vous savez, nos artistes disent quoi? Ils disent l'art est que narana l'art. L'art est que narana l'art. Ils ont raison. Il faut maintenant penser à des domaines d'autofinancement et de financement de la culture de manière rationnelle et de manière managériale. C'est moi qui promets. Mon fils, pour ma santé, Misuna. Ah, okate linga linga la. Bandeko, Misuna, ezali kokate la motulinga la te. Oh, ezali mitwa resiste. Oye pesa meli na matunyos. Employé, ton non-employé, matunyos oyo akika ta ko contribuer na mbongo mukie. Na fin du mois, pwete mokolo akobela. Misuna ezwa swana ye ya malamu na ba opitonio so ya minene ya République démocratique du Congo. Ce qui malade na yo ba kopi ko traiter ya mo a na komode Misuna a kozwa charge na yo okende kozwa swan na ba mboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, donc elle karamingi te na ba mboka mosusu. Ce qui moto oyo Misuna ezwa ki charge na yo na ba swan tambe akamati molimo na ye. Misuna a consacré pena mauve corvia. A te bande pour basali libanda, bakoki pour adhérer bande pour la bangoya. Congo, quoi tu vas soit passer à un bon moment pour basali. Na Misuna, ta santé c'est ta vie. Papa, maman, tout nanga ninye. Et le kotozala ki kozela, yango yo e. Pon aba séjour na bino ele kamalamu, na Kinshasa, Kin Label, agence de location de voitures de luxe, awana Kinshasa, ba meme lubino bongo, Power Brass Car, oyo bazali, na équipe na bango professionnelle, Bazali na disposition na binoe. Power Buzz Car, location de voiture. Yasika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Oko kiko kontate bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo. Plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Belle Isusu na www.powerbase-car.com. Topé na contact email contact@powerbase-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance. Naba professionnel, ya bandeko, ya Power Brass Car, oyo ma pesi, offre spéciale pour na bino nyonso. Boko loue ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo, bozali na yango, awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mwasi, bandeko ya Power Brass Car, po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Brass Car, et yé ko silisa, batra kasseri nyoso ya transport. Ya ba délégation spéciale na bino,
ya famille, pe ba transport union so privé, o yo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko e. Power bus car o yo, ezali solution ya souka, po na déplacement na bino union so express. Po na likambo ya qualité, pe quantité, na ete mituka. Nulle part ailleurs au kokoute yango kaka. Na Kinshasa en particulier, pe République démocratique Mobimba, kaka et pe bandekoya, Power Bus Car avec impact. Power Bus Car, moussala yaba professionnel, pe na sécurité nyoso. Power Bus Car, le travail des professionnels. Keyo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout, c'est-à-dire on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. En France.